Laissez le passage, s'il vous plaît. Merci. Vas-y. Avancez par là, s'il vous plaît. On y va. Merci. Est-ce que vous pourriez faire en sorte de pas qu'on puisse avancer quand même, parce oui, que après on vous pousse, quand on vous pousse, vous râlez. S'il vous plaît, laissez un peu respirer. On a des places pour vous, n'oubliez pas, on laisse les places. Tu es où? Pardon. On passe par là. Attends. Il est où? On passe par là. Je suis une vieille habituée du salon. Hein. Quand le salon était tout petit, 80 exposants, aujourd'hui nous sommes 830. Ah ben voilà. Et 15 000 visiteurs, on accueille 100 000. Donc, la thématique du Made in France fait consensus. Voilà, ça fait, moi, je suis une grande habituée du salon, je suis très contente de revenir. À chaque fois, c'est un plaisir de le voir voilà, prendre des forces, ce Made in France. Bah, il prend des forces, effectivement. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Et bravo. Et merci. Félicitations. Bravo. Oui, je suis obligé de vous guider. Pas de soucis. Je redoute le centre d'agriculture, ça fait quelque chose. Ok, je te suis. Je me remets comme ça. Si je vous parle maintenant, il y en a qui partiront ou pas? Oui. Hein? Oui? C'est vrai? Oui. C'est vrai? Bon, alors allez, on y va. On va faire une déclaration, comme ça, ceux qui peuvent, veulent partir pourront partir. Bien, mesdames et messieurs, je suis
évidemment extrêmement ravie d'être présente à ce salon du Made in France, dont je suis une fidèle depuis plus de 10 ans. Je pense que le Made in France est une des grandes priorités de notre pays. Ce sera une des grandes priorités de mon quinquennat pour une raison très simple, c'est que du Made in France dépend notre souveraineté, dépend notre indépendance, dépend l'équilibre de nos comptes sociaux, dépend bien entendu la baisse du chômage. Et donc voir toutes ces entreprises qui se débattent, bien souvent très peu aidées ou pas aidées du tout par l'État, pas aidées du tout par les collectivités, pas du tout aidées bien souvent par les entreprises publiques, les voir continuer à se battre pour l'emploi français, pour la qualité, pour le savoir-faire, c'est pour moi une grande source de joie. Alors je viens leur apporter mon soutien et leur exprimer les différentes mesures que je mettrai en œuvre pour pouvoir développer au maximum ce Made in France et pouvoir faire en sorte que l'État, que les collectivités, que les entreprises publiques puissent mettre en œuvre la désormais célèbre priorité nationale qui s'applique également sur le plan économique. Dans cette campagne, le Made in France, c'est comme le gaullisme, tout le monde veut sa part du gâteau. Il n'y a pas un peu de récup là-dedans? Moi, ça fait 10 ans que je viens dans ce salon. Et ça fait plus longtemps que ça encore que je défends le Made in France. Que maintenant, vous soyez en train de me dire que dans la classe politique, il y a de plus en plus de clones de Marine Le Pen sur toute une série de sujets, je ne peux qu'être d'accord avec vous. C'est très bien, mais moi, je vois ce qu'on fait les différentes responsables politiques quand ils étaient au pouvoir. En réalité, ils n'ont absolument rien fait pour pouvoir développer le Made in France. Et ils ne l'ont même pas fait dans ce qui relevait de leur propre capacité, c'est-à-dire les commandes de l'État, les commandes des collectivités. Et on s'aperçoit qu'on a laissé, encore une fois, des appels d'offres partir quasiment maintenant systématiquement à l'étranger. Le dernier exemple des commandes de l'armée, mais ça devient récurrent en ce qui concerne les achats de l'armée, le démontre. Il y a maintenant une forme de préférence étrangère à l'achat public qui est évidemment inadmissible lorsque l'on connaît les conséquences de cela sur la désindustrialisation de notre pays. La désindustrialisation de la France, c'est le mal fondamental, le mal majeur qui est à l'origine du chômage et donc du déséquilibre de nos systèmes sociaux. Il faut donc une action très volontaire de la part de l'État. C'est en tout cas ce pourquoi je me bats et ce que je plaide. Non, il n'a pas de l'avance, mais il y a incontestablement, je reconnais à Arnaud Montebourg une persévérance sur ce sujet et un courage certain. La persévérance et le courage sont relativement rares en politique, donc quand on en est témoin, il faut évidemment avoir l'honnêteté de le dire. C'est vrai que sur le sujet du Made in France, il a eu des positions qui correspondent aux miennes et qui, comme les miennes, sont constantes. Nous affirmons, on a créé une industrie qui est en pleine explosion actuellement. Alors, on a créé des produits qui ont une vraie traction. Le problème, c'est que là, actuellement, on recherche des financements pour nous aider à garder notre industrie en France. Et là, on a beaucoup... Excusez-moi, je prends juste un petit coup dans le plexus, ça fait un peu mal. Du coup, quelles mesures vous avez pour une entreprise comme nous? Bon, déjà, on est deux infirmiers qui avons dû vendre notre maison pour créer une industrie qui aujourd'hui est en train d'exploser. On est validé par Monoprix, Carrefour qui est en train de nous distribuer. On doit grossir, augmenter en cadence. Le problème, c'est qu'en fait, on ne trouve pas le financement. Vous avez quel âge? J'ai 35 ans. C'est bien. Ma femme a 30 ans, c'est elle qui a créé ces machines qui n'existaient pas. Et là, on est dragué par la Turquie, la Lituanie, la Pologne qui nous disent « Mais donnez-nous vos lignes, nous on va créer des lignes, on va produire pour vous. » Alors, c'est exactement la raison pour laquelle je souhaite créer ce fonds d'investissement et de soutien aux entreprises. C'est un fonds qui a vocation à mobiliser l'épargne des Français, qui a vocation à être à hauteur de 500 milliards à la fin du quinquennat et dont l'objectif est précisément d'investir dans les entreprises françaises. Sous quelles conditions? Sous quelles conditions? Sous la condition d'apport, en réalité, d'apport avec évidemment une participation et donc une participation aux des entreprises. Non,
Donc l'idée, si vous voulez, en fait, c'est un fonds, vous voulez diluer les entreprises, les fondateurs des entreprises, pour pouvoir leur prêter. Je ne veux pas les diluer, mais je ne peux pas donner de l'argent qui appartient aux Français, car ce n'est pas l'argent de l'État, là. C'est l'argent qui est mobilisé auprès des Français, d'accord? Bah, c'est ce que c'est BPI un emprunt actuellement, par exemple. Oui, le seul problème, c'est que la BPI ne vient au soutien que des entreprises qui fonctionnent extrêmement bien. Donc en réalité, je suis d'accord avec vous, et c'est surconsécutif à un prêt bancaire. Est-ce que du coup, vous allez demander que ce soit complété avec un prêt bancaire? Parce que c'est là la problématique des entreprises actuellement. Non, parce que c'est le but justement, non. Et évidemment, l'intérêt de ce fonds souverain, c'est d'aller à destination des entreprises qui sont les entreprises stratégiques, des grandes entreprises stratégiques d'innovation, mais aussi aller au soutien des TPE-PME. Parce que moi, je crois que c'est les TPE-PME qui créent de l'emploi dans notre pays. Donc plutôt que de laisser cet argent qui est mobilisé et qui est plutôt immobilisé et qui ne sert à rien, on va mobiliser cette épargne qu'on va emprunter aux Français, pour lequel on va leur livrer un intérêt. Et évidemment, ce qu'il faut, c'est que ce soit des entreprises qui ont un projet qui soit viable. Vous êtes d'accord. Il ne faut pas donner de l'argent à n'importe qui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc c'est, mais on a besoin de cette force pour pouvoir apporter des fonds, en fait, en apport aux entreprises qui fonctionnent bien comme la vôtre. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, aussi. Bien sûr, c'est une question de souveraineté. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de le voir pendant la crise sanitaire. Le fait que nous soyons dépendants de pays étrangers pour des éléments qui sont des éléments essentiels au fonctionnement de notre économie ou au bien-être sanitaire de notre pays, c'est évidemment un problème de souveraineté et même un problème d'indépendance. Chacun semble avoir sa définition de la souveraineté. En deux mots, c'est quoi la vôtre ? Ah bah écoutez, la souveraineté, c'est être capable précisément de pouvoir avoir un fonctionnement économique viable sans être dépendant de l'étranger, mais c'est aussi faire respecter la volonté du peuple français. Parce que c'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est le peuple décide, donc les choses se font. Et ça n'est pas d'autres structures qui décident pour nous. Vous voyez, si vous interrogez le peuple français aujourd'hui, en lui disant, est-ce que vous trouvez normal que l'État, les collectivités territoriales et les grandes entreprises publiques passent des commandes françaises, eh bien vous aurez une immense majorité de Français qui vont vous répondre oui. Et pourtant, eh bien c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les appels d'offres sont rédigés de telle manière que ça met en œuvre quasiment une préférence étrangère. Donc la souveraineté, ça consiste aussi à mettre en adéquation la volonté du peuple français avec les actions qui sont déterminées par l'exécutif. On s'était vu il y a 2 ans et on était un peu en désaccord sur l'immigration. Oui. J'ai écrit un bouquin depuis avec mes idées, donc je vous l'offre. Avec si jamais plaisir. Ça peut vous inspirer un peu. C'est vous qui faisiez les jeans français, c'est exactement, ça? Exactement, et toujours oui, j'ai bonne mémoire. D'accord. Je vous remercie. Eh ben c'est bien. Et je vous souhaite une bonne lecture, j'espère que ça vous inspirera. Avec grand plaisir. Je vous remercie. Bonne balade. Merci. S'il vous plaît, on avance. Est-ce que c'est chanté? Je vous l'offre aussi, si vous voulez. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, je vous demande. Non, montez là-haut. Non, non, c'est bon, Rudy. Non, 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 là, c'est le passage. À droite, à droite. À droite. D'accord. À droite. Partez à gauche. S'il vous plaît, laissez le passage, s'il vous plaît. On avance, s'il vous plaît. C'est par là. Par contre, on va à gauche. C'est comme Pas vraiment de cohérence entre les deux. Alors pour les jeunes entrepreneurs, j'ai 2 mesures en fait, même 3 mesures majeures. La première, c'est tous les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans, c'est-à-dire qui montent une entreprise, seront exonérés d'impôts sur les sociétés, de tous les impôts sur les sociétés pendant 5 ans. L'idée, c'est évidemment d'éviter qu'on ait énormément de jeunes, comme c'est le cas aujourd'hui, qui envisagent de partir à l'étranger pour pouvoir monter leur propre société. Ils sont d'ailleurs, les moins de 30 ans d'ailleurs, seront exonérés également d'IR, ce qui est intéressant pour ceux qui choisissent des entreprises dont la nature même les pousse à payer de l'impôt sur le revenu. Et puis, nous ferons également un apport en fonds propres pour les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que si le jeune chef d'entreprise met 5 000 euros, jusqu'à 5 000 euros, l'État apportera des fonds propres pour permettre la construction d'entreprise.
Avancez, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît. Voilà, avancez. C'est pas ça, s'il vous plaît. Pour l'instant, je ne vois rien. Ouais, c'est à gauche, on est là. Le mur. Le mur de caméra. Voilà. Encore. Après, c'est à gauche. Madame Le Pen, serait-il possible de faire un tour avec vous? Bien sûr. Merci madame. Vous êtes fantastique, merci. Ah, merci, c'est gentil. Attention, vous avez le restaurant derrière vous. Allez-y. Comment c'est bon? S'il vous plaît, laissez pas ça, s'il vous plaît, merci. On avance, s'il vous plaît. Laissez un peu d'espace, s'il vous plaît, merci. Avancez un peu. C'est là, non? Merci. Juste avant le passage. Le fondateur Benjamin Bohain aurait fêté ses 200 ans l'année prochaine. D'accord. On va avoir pas mal d'animations autour de ce sujet. Et on est donc le dernier fabricant français d'aiguilles à coudre. Voilà, on est présent dans la maison des Français depuis des générations et des générations. Il y a un côté Madeleine de Proust très important. Voilà, les gens arrivent et nous parlent beaucoup de leur famille, beaucoup. Voilà, on a des gens qui nous racontent qu'ils passaient leur jeudi après-midi à enlever les épingles dans les lames du parquet avec les aimants. Voilà, on est vraiment dans le quotidien des Français. Et on a la chance en fait d'avoir une dynamique très jeune aujourd'hui, parce qu'on est, on a été repris en fait par un couple de trentenaires en 2017. Et donc du coup en fait on a une nouvelle dynamique. Le nom de notre catalogue actuel c'est Donner la mesure, donc il y a vraiment une ambition forte de se rajeunir, d'avoir des actions très fortes avec des designs particuliers. Pour conquérir aussi des nouvelles personnes. La couture, elle a fait un retour très important dans les maisons. Notamment au moment du confinement. Exactement. Et on espère que ça durera et que les gens auront vraiment pris l'envie et l'habitude de coudre, de faire des choses avec leurs mains. Et on partage ce savoir-faire aussi lors des visites de l'entreprise. La société, elle se visite depuis 2014. D'accord. Voilà, on est ouvert sur toute l'année. On a fait des expositions temporaires, de la programmation. On est situé dans l'Orne, à côté de l'Aigle. Et vous distribuez comment, où Alors, via des merceries. Là, on est vraiment sur du commerce de proximité. Bohain France vend aux grossistes qui revendent aux merceries. Et après, effectivement, on fait un peu de vente directe depuis récemment, mais notre schéma principal, c'est la vente aux professionnels pour la revente aux particuliers. Parce que des merceries, il y en a de moins en moins. Ça se renouvelle. En fait, il y a un gros changement sur la mercerie. Les merceries se modernisent et donc les fonds ne sont pas forcément repris parce que c'est beaucoup de petites choses. Mais effectivement, il y a des nouvelles merceries qui sont très dynamiques, qui font un travail exceptionnel justement aussi pour transmettre le savoir-faire de l'aiguille à coudre. D'accord, c'est votre document. Voilà, sur les visites. Donc on est vraiment au milieu de la campagne. Et on a un cadre qui est vraiment superbe. On fait des animations pour les familles, des visites guidées. Il y a combien de salariés? On est 40 employés en tout. Il y a 6 ouvriers à la fabrication des aiguilles à coudre. C'est ce qui suffit en fait aujourd'hui à fabriquer ce qu'on peut vendre. D'accord. Parfait, ben je vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne continuation. À vous également. Et j'espère que vous aurez au moins un siècle encore devant vous à vendre vos aiguilles. Merci beaucoup. Bon salon. Bon salon. Ah non, j'ai ça.
s'il vous plaît, merci. Bah oui, laissez un peu respirer quand même, voilà. Après ça, on est grand, allez-y, s'il vous plaît, merci. On ne pousse pas, madame, on ne peut pas. On ne va pas pousser, madame, jamais. Mais laissez le grand, respirez-le quand même, voilà. Avancez un peu, avancez, s'il vous plaît, laissez un peu inspirer, s'il vous plaît. Avancez un peu, c'est à droite, après à droite. Voilà. Après droite, après gauche. Laissez un peu, s'il vous plaît. Allez, on avance, hein. Voilà. C'est pas de problème. Hein. Madame, c'est juste que j'écrase les pieds à chaque fois. T'inquiète, j'ai des grosses chaussures. Attention parce qu'elle est juste derrière vous. Attention, s'il vous plaît, avancez un peu. Voilà. C'est derrière toi. Attends, je sais pas trop ce que c'est. Tu veux que Reculez. Voilà. Ça arrive très vite. Reculez. Et je vous conseille vraiment de reculer parce que là, ça sert à rien, vous ne voyez rien en plus. C'est pour ça. Vous êtes absolument terrible. Reculez, puis vous réavancez. Alors on ne va pas s'en sortir. Reculez, s'il vous plaît. À 15h40, on fait un point de pêche. S'il vous plaît, attention les instants, s'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, laissez-moi un peu respirer là, s'il vous plaît. On a des pare-chocs sur les caméras. C'est bon, bonne idée, hein. On tourne à droite, s'il vous plaît, merci. À droite, s'il vous plaît. À droite, c'est pas ça, à droite. Entrez à gauche. Putain de bordel que ça va être. C'est bon. Reculez. Avancez. Non, moi qui voulais faire mes cadeaux de Noël. Il tombe. Parce qu'il y a une allée, t'as les affaires. Ah oui. Attention, le caméra. La prochaine fois, je vais avec un 4. Nous aussi. Oui, monsieur. Reculez. Non, droit, attention là. Allez, encore, monsieur. Ça sert à rien, monsieur. Venez là-bas, monsieur. Ça sert à rien. Venez encore là-bas, monsieur. À stand Inno, allez-y. Voilà. Le stand est juste ici. Attention. Je suis désolée, mais là, c'est pas sérieux, donc c'est gentil. Mais... Voilà. Bonjour madame. Si vous pouviez laisser passer, merci. Bonjour. Ça sert à la main, bon, c'est bien. Ça fait du mal. Voilà. Manifestement. Le meilleur, on se rend compte. Ce qu'il y a de mieux. Ils ne vont pas me casser le matériel, madame. Si, d'accord. Alors vous étiez déjà passé. Oui. C'est vrai. Ce qu'on avait développé il y a de nombreuses années, une planche à marine. Oui, je me souviens très bien. Ah, vous accrochez sur les bateaux. Ah, je m'en souviens très bien. J'accroche mes planches sur les bateaux, on l'appelle la planche à marine. Je trouve ça génial. Voilà, c'est cool. Alors, ça va bien marcher du coup? Oui, c'est vous venez de la sortir, hein? Ah non, oui, on fait longtemps, parce qu'on l'a vu il y a 5 ans. Vous venez
facile à sortir. Donc ça marche très bien, ça m'étonne pas. Oui, ça marche assez bien, ouais, ça marche assez bien. Mais on est sur une activité qui est plutôt porteuse. Ah bah ça c'est sûr. Parce qu'on a connu la crise du Covid et les gens ont beaucoup équipé leur maison en tout moment des plancha. Enfin vous ne les voyez pas, mais ça c'est une plancha aussi, mais une plancha de jardin. Donc les gens avec les effets du télétravail et du confinement ont beaucoup équipé leur maison, on est sur un taux de croissance qui est important. La difficulté qu'on a maintenant, c'est de recruter. Et ça, vous l'entendez peut-être partout, on a énormément de mal à trouver. Donc j'en suis, là, j'ai les 10 derniers recrutements que j'ai faits, c'est des migrants. Des Afghans, du Bangladesh, des Érythréens, des Camerounais. Enfin, je ne trouve plus dans ma zone, on est dans l'Ouest, hein, on est à Niort, dans les Deux-Sèvres. On a 5% de chômage, mais en dessous de 5% de chômage, je ne trouve pas de français pour travailler. Donc, je suis obligé de recruter des migrants. C'est une vraie difficulté. Et Pôle emploi, ils vous en offrent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas compétents ? Parce que... Ils viennent pas. Ils viennent pas. J'ai essayé par mon agence d'intérim qui s'appelle ADECO et ils me disent on n'en trouve pas. Et donc mon agence d'intérim maintenant c'est France Terre d'Asile. Je suis obligé d'aller directement chez France Terre d'Asile pour trouver des gens qui travaillent dans une usine. Alors qu'on est en centre-ville, on n'est pas dans un village éloigné ou perdu, on est en plein centre-ville de Niort. Niort, c'est quand même une grosse ville des mutuelles d'assurance. C'est presque impossible d'arriver à recruter des Français. Alors ça va un peu mieux maintenant, mais c'est vrai qu'on a vécu un printemps terrible. Et c'est con parce qu'on a beaucoup... Il y a eu un effet du confinement qui a été quasiment... Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens... un effet psychologique à un moment donné. Il y a des gens, alors soit ils étaient inquiets, ils ne voulaient pas sortir de chez eux, soit ils ont été peut-être un petit peu trop assistés, je ne sais pas. Mais ils n'allaient plus au travail. Maintenant, ça redémarre. Hein. Ouais, ça revient, mais très difficilement. Parce qu'il y a plusieurs secteurs. Je suis content d'avoir les Afghans dans mon usine plutôt qu'à se promener dans la ville. Et pour autant, il faut bien que je fasse. Enfin, pour autant, on a 5 millions 600 000 chômeurs. Quoi. Mais voilà, okay. C'est ça une vraie difficulté. Alors, c'est difficile de prendre la parole là-dessus, mais moi je vous le dis. Il faut dire la vérité, il faut regarder la vérité en face. Moi je suis pas pour qu'on me raconte. Alors il y a une chose que je voulais vous dire si vous êtes prêts à m'écouter. Ouais. On est une entreprise qui fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous, alors c'est pas une question piège, hein, vraiment pas. Est-ce que vous mesurez le niveau de contribution d'une entreprise de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui fabrique en France le niveau de contribution à notre système de protection sociale? Est-ce que vous savez à peu près combien on contribue? C'est important, mais si vous voulez, moi ce que je pense, c'est la raison pour laquelle moi j'ai proposé il y a 3 jours. Là. Ouais. Je vois bien qu'il y a des problèmes de recrutement, je vois bien qu'il y a des problèmes pour augmenter les salaires, etc. Je conçois bien. Donc en fait l'idée. C'est de dire, voilà, on va passer un contrat d'entreprise en disant, si vous augmentez les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC de 10%, nous, on gèle totalement les contributions patronales, les cotisations patronales. Parce que bien souvent, moi, j'entends des chefs d'entreprise qui me disent, moi, j'aimerais bien pouvoir augmenter un peu mes salaires. Je vois bien, on voit bien aussi que le niveau des salaires par rapport à l'ensemble des charges qui augmentent, il y a un hiatus. Il y a un souci. Je comprends que les entreprises aient du mal à envisager d'augmenter les salaires, parce que bien souvent, l'augmentation des salaires entraîne évidemment une augmentation importante des cotisations. Des cotisations et des difficultés à vendre du produit par fabrique en France. On a de l'engouement sur la fabrication française, mais on ne peut pas augmenter les salaires indéfiniment si on veut continuer à se préserver nos parts de marché dans la grande distribution française. Nous, on vend à la grande distribution. Mais tout problème. Et on veut bien augmenter, on peut augmenter les prix, mais ça se répercute avec les marges du distributeur et ça devient des produits encore plus chers. On est déjà parmi les produits. L'idée, c'est avec 5 ans d'exonération de cotisations et d'augmentation des cotisations patronales, de ne pas entraîner une augmentation indéfinie. Mais c'est ça. Et si je peux aller juste au bout de mon raisonnement. Une entreprise de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est un petit peu au-dessus, mais c'est juste pour le raisonnement. Une entreprise de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires de produits fabriqués en France contribue à 1 million d'euros à peu près en charge sociale, 10%. Est-ce que vous savez quel est le niveau de contribution d'une entreprise qui importe des produits chinois? 10 millions d'euros de chiffre d'affaires de produits chinois, quel est son niveau de contribution à la protection sociale? Mon compétiteur, mes compétiteurs, 100 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a un écart de 10 fois, alors c'est pas tout à fait 10 fois, mais je vous les résume pour que vous reteniez. Mais il y a presque un écart, on s'est dit, c'est 8 fois, les gars. C'est plutôt 130 000 euros et moi, c'est plutôt 900 000 euros. Mais il y a un écart d'environ 8 fois. La contribution d'une entreprise qui ne vend que des produits fabriqués en Chine ou ailleurs, c'est 8 fois moins. Qu'est-ce que me dit l'État français? L'État français me dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec une usine? Une usine en France, c'est complexe hein, de gérer l'usine parce que c'est des salariés, c'est des machines, c'est beaucoup, beaucoup de contrôle permanent. Et moi, ma proposition, c'est de dire il faut réduire les charges sociales, c'est sûr. Mais le seul moyen de faire contribuer des produits chinois, c'est d'augmenter un peu la TVA. Alors, c'est pas populaire, c'est pas électoral, mais un produit chinois, soit on lui met des droits de douane, mais ça va être compliqué de mettre des droits de douane, soit vous mettez de l'IS.
de l'IS sur la société qui importe des produits chinois. Mais les petites sociétés qui font l'import-export, ils ne sont pas en France, ils sont au Luxembourg, ils sont au Liechtenstein, ils sont aux îles Jersey-Guernesey. Donc les droits de douane, c'est compliqué, l'IS, c'est compliqué. Le dernier moment où vous pouvez vous faire contribuer un produit chinois, c'est la TVA. Et comme vous ne pouvez pas me faire une TVA moins chère parce que c'est très compliqué de savoir qui est français et qui n'est pas français, et donc il n'y a qu'un seul truc, c'est de faire augmenter la TVA et de baisser les charges sociales. Ça s'appelle un droit de douane. À un moment donné, non mais c'est tout le débat du libre-échange, si vous voulez, le problème du libre-échange généralisé tel qu'on l'a signé, c'est qu'en réalité, tout entre sans tenir compte ni des normes, parce que je suppose que vous avez des normes de sécurité qui sont importantes. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on trouve exactement les mêmes avec tel niveau de certitude sur les produits qui sont importés. Donc le problème, c'est un, il faut qu'on vérifie les produits qui sont importés, parce que à normes égales, je suis désolé, mais je suis sûr que vous tirez votre épingle du jeu, c'est une certitude, bien sûr. Sauf que les normes ne sont pas égales. Donc, on ne va pas abandonner en disant, bon, on laisse tomber. Non, c'est au départ les accords de libre-échange tels qu'on les a conçus qui sont inadmissibles. C'est la volonté de ne pas aller chercher le contrôle des produits importés. Il faut embaucher, il faut embaucher 6000 douaniers. Oui, c'est ça, mais il faut embaucher des types à la DGCCRF. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident en disant « Ah ben on fera une enquête quand l'accident aura eu lieu ». Non, parce que avant que l'accident ait lieu, il y a 10, 15, 20 boîtes qui sont en train de mourir. Donc sur le coût du travail, mais ce que vous dites est intéressant, parce que sur le coût du travail, on avait même débat sur le textile. Bon. Le coût minute du travail d'un salarié en France, c'est 50 centimes. Ok. Le coût minute au Maroc, c'est 13 centimes. Le coût minute en Chine, c'est 5 centimes. Bien sûr, oui. Mais ce sera toujours comme ça. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'apprête à mourir, on laisse tomber, on s'en lave les mains. Ou on dit, il y a un moment donné où il n'est pas possible de mettre, parce que c'est de la concurrence déloyale, que de mettre sur le même plan des productions importées qui ne respectent pas les normes environnementales. C'est des Français qui font ça. C'est des Français qui importent des produits chinois en France. D'accord. Et bien souvent, ils n'ont pas honnêtement de parallélisme. Il y a beaucoup de produits qu'on ne retrouve même plus en France. Ah oui, mais moi, c'est mes compétiteurs. Ah. Moi, mes compétiteurs sont tous des franco-chinois, des Français qui sont fabriqués en Chine. C'est le même problème que pour les pneus, c'est le même problème. On ne leur demande pas le même niveau de contribution. Et le même niveau de normes. Et le même niveau de normes sociales. Oui, alors c'est vrai, il y a des normes, mais. Ah oui, non, mais moi, d'accord, mais. Encore ça, on peut s'en sortir les normes. Enfin, je veux dire, je peux quand même bagarrer, je peux aller dénoncer à la DGCCRF mes compétiteurs qui ne respectent pas. Ça, je peux le faire. On le fait un petit peu. Et c'est vrai que les douanes devraient faire ma place, mais moi je peux le faire. Chine pour regarder. Non, je ne vais pas en Chine, mais je vois sur les étals si les produits. D'accord, mais vous ne pouvez pas savoir si là-bas ils ne sont pas en train de polluer à fond les ballons parce qu'on délocalise notre pollution en disant regardez nous comme on est vertueux, mais on ne regarde pas la manière dont c'est fabriqué. Donc sur le plan environnemental, est-ce qu'ils font travailler des mineurs? Est-ce qu'on en sait? Moi, ce qui me choque particulièrement, c'est que les entreprises qui font beaucoup de chiffre d'affaires sans emmerdement, parce que c'est compliqué de gérer une usine, croyez-moi. Ils contribuent 10 fois moins que moi. C'est ça qui est dingue. Et en fait, on me dit, au fond, deviens un importateur chinois d'une manière. C'est bien la raison pour laquelle je vous dis, on ne peut pas parler de concurrence loyale. Oui, parce oui, que oui, notre système de protection sociale n'est pas le même. Je veux dire, en Chine, vous permettez votre boulot, vous perdez votre boulot. Vous dormez dans la rue. Oui, oui, voilà, et vous faites la manche. C'est pas le système. Et j'ai pas envie que ce soit ça dans la France. Ah non, mais moi non plus, j'ai pas envie. Mais je suis fier de contribuer, mais je contribue beaucoup trop par rapport à mes compétences. Oui, alors d'abord, il y a une grosse contribution, parce qu'il y a beaucoup de chômage. Hein. Mais à un moment donné, tant qu'on. Il y a beaucoup de chômage, mais j'arrive pas à recruter. C'est la conséquence de la désindustrialisation aussi. Je veux dire, en désindustrialisant, en considérant que le travail manuel, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. C'est dévalorisant. Et qu'il faut tous qu'on ait une maîtrise de sociologie. Bon. C'est absurde, mais c'est ce qu'on vit depuis 40 ans. Mais c'est les conséquences de ça. Ça veut dire que si on change de philosophie vis-à-vis de tout ça, si on opère une grande politique de réindustrialisation, grâce à l'État d'ailleurs, au soutien d'un État stratège, dans des villes comme la vôtre, comme celle où vous êtes, c'est-à-dire des villes moyennes, des villes petites, plutôt que d'éviter la concentration de tout, voilà. Si on arrête de penser qu'on va être un pays de service, il y a mille manières de faire en sorte qu'on puisse recréer de l'emploi, et plus on recrée de l'emploi, moins votre contribution s'achère. Oui, c'est sûr. Eh bien oui, mais c'est sûr, parce mais que tout triste, est lié en je réalité. Je trouve triste que, sous prétexte qu'on est des fabricants français, qu'on joue le jeu, et je suis fier de jouer, et je suis très fier de mener la compète face à des franco-chinois, il n'y a pas de souci, parce que je peux mettre en avant mes ouvriers, je peux mettre en avant mon usine,
mon origine française. Et on voit bien que ce salon, ou bien que les gens sont attachés à ça. Et maintenant, tous les distributeurs disent comment est-ce qu'on peut vraiment dire que vous êtes fabriqué en France. Bon, voilà, donc les gens sont attachés à ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que je trouve dommage maintenant, que ceux si qui ne jouent pas ce jeu-là soient un peu défavorisés. Alors peut-être par des normes, mais quand même le pognon. Mais c'est le pognon, la contribution, c'est quand même quelque chose. C'est le libre-échange. Je vous rappelle quand même qu'au départ, on nous a dit effondrez vos frontières nationales, l'Union européenne aura des frontières. Et c'est l'Union européenne qui va maîtriser les frontières. Ce sera libre à l'intérieur. Et vous allez voir ce que vous allez voir vis-à-vis de l'extérieur. Bon, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de droit d'homme, il n'y a rien. On laisse rentrer comme dans du beurre. Ben, c'est sûr qu'on ne pourra jamais être compétitif avec des gens dont le coût du travail, c'est 5 centimes. Oui, oui, oui. C'est pas possible. Donc on aura beau faire tous les efforts du monde, supprimer toutes les cotisations, on n'y arrivera pas. Non, mais Donc je veux dire, c'est là où... On n'y arrivera pas, mais moi, ça ne me gêne pas que les Chinois soient mal payés, mais... Ce qui me gêne, c'est que je fais l'effort de faire travailler les salariés. Et ben oui, normalement, on... Par exemple, ne serait-ce qu'un exportateur. Moi, je suis un exportateur. L'exportateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait rentrer des devises. Ouais. Au-delà de la balance commerciale dont on parle. Et un exportateur, c'est quelqu'un qui nourrit des ouvriers, enfin, qui paye des ouvriers, dont on sait bien qu'ils dépensent tout leur argent dans la distribution pour se nourrir. Et donc, quand on exporte, on crée... De l'activité économique dans son village, dans sa ville. Et pourquoi on ne baisse pas les charges sociales des exportateurs? Ça, c'est un truc, je me dis, mais pourquoi? Moi, je fais rentrer des devises. J'exporte 50% de mon chiffre d'affaires. Donc, 50% de mes salariés sont de l'argent d'Américains. Moi, je vends dans 50 pays dans le monde. Et cette croissance que je crée, ou cette activité économique que je crée, qui va dans la grande distribution, qui crée du... Pourquoi moi je suis contributif de 50%, les 50% des salaires dans la distribution se nourrissent, consomment tout leur argent, parce que moi je suis beaucoup sur le SMIC bien entendu, et pourquoi on ne me baisse pas les... Ça, un exportateur, c'est facile de dire lui il est exportateur, lui il n'est pas, j'ai la preuve, j'ai les factures, j'ai les machins, on est suivi très très... Et là on pourrait dire un exportateur, eh ben, on lui baisse... en prorata de son export, on lui dit, toi, exportateur, tu as zéro charge. Ça, je vous propose ça. Pourquoi on n'aide pas les exportateurs? Et tous les petits qui n'osent pas exporter, ça fout les jetons d'exporter, ils vont aller exporter. Non, mais zéro charge, c'est impossible. Non, pas zéro charge. Mais, enfin, je vous fais plaisir. Il faut bien payer le système de protection sociale. Mais moi, moitié moins de charge. Sur les problématiques de d'embauche, là. Qu'est-ce que vous en pensez de l'export? Heureusement qu'il y a les migrants. Non, mais moi, je pense que c'est tout à fait. C'est vrai que vous n'iriez pas travailler dans une usine, je suppose. Pourquoi pas, madame? Clairement. Moi, je pense qu'il faut prendre le budget de la prime d'activité et il faut réduire la prime d'activité dans les secteurs qui ne sont pas sous tension et l'augmenter dans les secteurs qui sont sous tension. Déjà, ça pourrait être pour répondre de manière très précise, immédiatement à la situation, ça permettrait quand même de soulager un petit peu la situation. Et le problème aujourd'hui... Pensez aux exportateurs. Oui, inciter. Oui. Tous les petits qui sont là, moi je fais partie des moyens, à exporter, et on peut aider facilement l'exportateur parce qu'il est identifiable. Quelqu'un qui exporte, il mérite la patrie, quoi, le soutien de la patrie. Exporter, c'est conquérir, et exporter, c'est financer notre protection sociale. Bien sûr. Merci. Oui. Vous avez raison. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Ok, au revoir. On va passer par là. C'est pas la peine de parler dans l'oreille, parce que j'ai des micros. S'il vous plaît. C'est en face, là, s'il vous plaît. Laissez pas ça. Tout est capable. Merci. Laissez pas ça, s'il vous plaît. Merci, monsieur Talon. Bonjour, vous allez bien? C'était déjà vu? Non, c'était pas vu il y a quelques années? Vous n'étiez pas ici? Ah, bah, autant pour moi. Vous faites des bulles marins? Exactement. Je vois.
Fabriqué en France, intégral. On n'est pas à nos marins. Et même à ceux qui gouvernent les bateaux. Si vous voulez, non, mais à nos marins, militaires. Ah non, non, on ne travaille pas avec les marchés. Quoi, c'est trop contraignant. C'est pas notre marché à la base, d'une part, et d'autre part, pour pouvoir délivrer, donc produire en masse. D'accord. C'est compliqué. Moi, j'ai appris cette entreprise il y a 5 ans, elle est en liquidation. D'accord. Si je l'avais pas appris, il n'y avait plus rien, il y avait 50 choses en plus. Et donc, voilà, on essaie de rebâtir, reconfigurer une marque. Vous êtes où? L'unité de production est à côté de Nantes. À côté de Nantes, d'accord. Ouais. Et du coup, depuis 5 ans, on a embauché 20 personnes, ça repart dans le bon sens. Mais la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est de trouver de la main-d'œuvre. D'accord. La main-d'œuvre qualifiée, c'est devenu très rare. Pour pouvoir former les gens, ben, il faut du temps. Ce sont des métiers, des filières qui ont été totalement abîmées. Ah bah, qui ont été détruites. Détruites. Donc, c'est très bien de relocaliser, réinitialiser. Moi, je suis à fond pour, évidemment, si je ne serais pas là. Mais ça va prendre du temps. Il faut former les gens. Ça, c'est compliqué et ça coûte. Voilà. Les petites boîtes, hein, les PME, PMI. Bien sûr. Ben, c'est la raison pour laquelle, parce que là, pendant le Covid, ils ont fait quand même un effort sur l'apprentissage, sur le financement d'apprentissage. Moi, je veux rendre ça pérenne. C'est l'idée de départ que j'avais, c'est de dire, bon voilà, un lycéen, ça coûte 11 000 euros par an, un étudiant, ça coûte 17 000 euros par an, on va prendre la moitié, et on va donner la moitié par an aux entreprises qui acceptent de former précisément des apprentis, des contrats de professionnalisation, etc. Parce que, en fait, je considère que là, pour le coup, l'entreprise fait vraiment un travail au bénéfice de la nation, parce qu'elle permet aux gamins de pouvoir avoir un métier. Donc c'est un effort financier qui est important, mais je le crois absolument essentiel. Et comme ça, c'est vous qui aurez été formé le gamin exactement aux besoins qui sont les vôtres. Mais il ne faut pas que ça vous coûte de l'argent. Bah, ça, c'est sûr. C'est coûteux et c'est long. Et comme, encore une fois, ces filières ont été détruites, il n'y a plus d'école, on n'est pas assez nombreux en entreprise. C'est peut-être ça aussi. Non, on ne peut faire que de la formation interne. Donc c'est du temps, et le temps que vous passez à former les gens, ben vous ne passez pas à produire, et comme on est déjà à peu limite, voilà, c'est problématique. Ouais. Alors c'est peut-être ça aussi l'idée, hein, c'est qu'il va falloir, par définition, ça c'est le boulot de l'État stratège, à partir du moment où on décide de réindustrialiser, on détermine quelles sont les filières qu'on veut voir revenir sur le territoire ou se développer sur le territoire, c'est à nous aussi de faire les écoles qui participent de ça, notamment les écoles de métiers d'art, dans certains domaines, et puis dans le textile. Clairement, enfin dans le train du cuir, dans tout ça, il n'y a plus rien. Quoi. Non, on a absolument tout laissé s'effondrer en quelques années. Hein. C'est-à-dire comme quoi la conséquence de l'ouverture totale des frontières, par exemple au textile chinois, ça, il n'a fallu que quelques années avant qu'absolument tout s'effondre. 85% de l'industrie textile a disparu en 15 ans. C'est dingue. Entre 2005 et 2020, grosso modo. C'est dingue. C'est-à-dire des industries, des savoir-faire millénaires qui disparaissent en l'espace de 15 ans, ce qui est dérisoire dans l'histoire du pays. C'est des métiers qui ne s'apprennent pas en 3 mois. Non, bien sûr. Bah, voilà, ça prend du temps. Je me doute. Et puis, il faut aussi qu'il y ait un étiquetage qui permette aux consommateurs de s'y retrouver. Parce que l'étiquetage, il est parfois, pas très... Bon. On joue sur les mots. Voilà, on joue sur les mots. Donc assemblé, produit ailleurs, assemblé en France, on marque Made in France, c'est pas Made in France, totalement fabriqué ailleurs, avec l'étiquette cousue en France, c'est du Made in France, c'est pas du Made in France. Donc là, encore une fois, il faut qu'on ait un étiquetage qui permette aux consommateurs de pouvoir faire du patriotisme économique, parce qu'ils souhaitent le faire. Ils le souhaitent, ils le disent. Je veux dire, nous, on est prêts à acheter français. Encore faut-il qu'ils soient sûrs, grâce à l'étiquetage, que c'est vraiment fabriqué en France. Parce que, là, c'est pas assez... Aujourd'hui, c'est pas le cas. Les mots ont un sens. Oui, mais on l'a vu dans le débat, dans le dernier débat sur l'armée. Justement, sur les pulls, d'ailleurs. Sur les pulls de l'armée. On dit, bah oui, mais regardez, l'armée a acheté des entreprises françaises. Oui, c'est des entreprises françaises qui se fabriquent à l'étranger. Donc, en réalité, pour un dirigeant politique comme moi, une entreprise française qui fabrique à l'étranger, c'est comme une entreprise étrangère, quoi. Désolé de le dire. Ceci étant, c'est pas simple. Parce que pour pouvoir produire en France, il faut de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre qualifiée. Or aujourd'hui, il n'y a plus. Donc voilà, ça va prendre du temps. C'est vrai, mais ça, c'est la conséquence de la politique qui a été menée. Hein. C'est la faute de personne. Sauf que peut-être Pôle emploi devrait changer de philosophie. Et plutôt que de partir
en fait du dossier du demandeur d'emploi, il prévient partir des offres d'emploi qui sont faites. Donc voilà, on a des offres d'emploi pour fabriquer des pulls, etc. Et donc on va déterminer quels sont les demandeurs d'emploi qui peuvent bénéficier par l'intermédiaire de Pôle emploi d'une formation à la charge pour pouvoir précisément répondre aux... Ça commence à se faire un petit peu. C'est mieux. Il y a des formations, des dispositifs qui sont mis en place par le Pôle emploi pour trouver des gens qui ont des aptitudes manuelles, voilà, c'est ça. Et les former dans un milieu filière. Mais encore faut-il peut-être pousser le bouchon et les inciter véritablement à reprendre une activité et à apprendre un métier qui n'est pas de leur dépendance. Bien sûr. C'est possible, tout est possible. Bien sûr, enfin, ils sont très beaux. Vous pouvez montrer votre beau cul à Paris, n'est-ce pas? Très belle. Ce France Info va se pousser un peu. Ça, c'est du vrai pull. Du vrai pull marin, ça. Du vrai pull marin. Ouais. Ah, félicitations et puis bonne chance pour l'avenir. Parce que 5 ans, ça fait court, donc bravo. Je pense. Non, mais c'est juste, c'est vrai. En même temps, allez, hop. Et sensibiliser l'opinion sur le fait que ces prothèses dentaires qui sont faites par des professionnels, et c'est pour ça qu'ici vous avez des meilleurs ouvriers de France qui sont, vous voyez les cornes qui apparaissent, des élèves des écoles de prothèses dentaires d'Île-de-France qui sont là et qui expliquent aux gens comment on fabrique une prothèse dentaire, parce que souvent les personnes connaissent leur chirurgien dentiste mais ne connaissent pas le prothésiste dentaire qui est derrière, qui fabrique la prothèse dentaire. Et vous savez que... La vraie question, c'est la question, on y revient, hein. C'est la question du remboursement. C'est-à-dire qu'en réalité, en ne faisant pas de patriotisme économique, on en vient
à financer massivement la production chinoise, parce que l'immense majorité des prothèses sont chinoises, remboursées par la sécurité sociale, c'est-à-dire par l'argent des Français. C'est un peu la complexité de notre système de santé également. Nous, on est des professionnels, bien sûr, on estime qu'on est là en proximité et qu'on devrait faire appel à nous plutôt que d'aller chercher aujourd'hui d'autres professionnels à l'autre bout du monde. Il y a le 100% santé a instauré un plafonnement des prix de la prothèse dentaire et bien sûr, les professionnels de santé que sont les chirurgiens, quelquefois, cherchent à répondre à la demande et vont chercher ailleurs des prothèses à d'autres tarifs que les nôtres. Mais nous sommes confrontés, comme vous le savez ici, à des salaires, à des charges sociales qui nous obligent à pratiquer une certaine forme de tarifs et on ne peut pas concurrencer des pays à bas coût de main d'œuvre de toute façon. Exactement ce que je venais de dire il y a quelques minutes, j'ai dit de toute façon, à part arriver au salaire moyen de la mondialisation, qui est 800 euros, hein, ouais, 100 euros, on n'arrivera pas de toute façon à être concurrentiel. Donc il faut réfléchir autrement. Sinon on sera toujours, évidemment, d'ailleurs et c'est normal, parce qu'on a des hôpitaux publics, parce qu'on a une sécurité sociale, parce qu'on a des services publics, parce qu'on a une justice, parce qu'on n'arrivera pas, à l'évidence, à être compétitif. Donc il faut arrêter avec cette recherche de la compétitivité. On baisse en permanence, on baisse, parce qu'on baisse les salaires, on baisse la protection, on baisse tout, mais on n'arrivera jamais à baisser assez pour être en compétition. Donc il faut agir sur d'autres leviers. C'est pour ça qu'on a invité tous ces jeunes qui vont en faire leur profession, qui sont en ce moment étudiants et qui veulent avoir un avenir dans notre profession et donc qui veulent qu'on s'intéresse à... C'est combien prodégiste 3 ans 5 ans plutôt, c'est 3 ans de bac pro et 2 ans de BTS. 5 ans quand même. Ouais, c'est quand même un... Oui, bah oui, parce qu'il y a quand même un savoir-faire. Vous savez, malgré qu'on utilise de plus en plus des méthodes numériques, on a besoin d'un certain savoir-faire et ça ne s'apprend pas aussi facilement. Non, c'est compliqué, le prothèse dentaire, c'est complexe. Hein. Que ce soit d'ailleurs esthétiquement que, voilà, c'est sûr. Que les conséquences d'un truc mal fait sur la santé, en fait. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on estime que le travail de proximité, ça peut quand même aider. Alors, c'est quoi le différentiel ? Le différentiel qui existe entre la prothèse chinoise et la prothèse française en termes de coût de fabrication, c'est combien ? 50 euros. La différence, c'est 50 euros. À peu près, une prothèse en France, c'est entre 100, une couronne céramique, entre 100 et 140 euros. En France, on va trouver entre 40 et 50 euros qui vient de l'étranger. D'accord. Et elle est achetée 15 euros en Chine. D'accord. Si nous n'étions pas des amoureux de notre métier et qu'on n'était que des financiers, on serait tous devenus importateurs de prothèses dentaires. Nous, ce qu'on aime, c'est fabriquer. On est tous, vous voyez, les cols qui sont ici, les meilleurs ouvriers de France, c'est bien parce qu'ils ont un amour de leur métier, qui est un métier complexe, parce qu'on traite beaucoup de matériaux. En plus, on travaille sur de la matière vivante, puisque quelqu'un, il a envie que sa dent... qu'elle soit belle, qu'elle ressemble aux autres, qu'elle s'intègre parfaitement. Il y a une fonctionnalité aussi, il y a un aspect médical. Donc il y a plein d'éléments qui font que ce n'est pas un produit comme les autres même que nous fabriquons. Ce n'est pas de la série, ce n'est que du sur-mesure. Et forcément, derrière, ça demande une certaine application. Et on estime que le travail de proximité, l'échange entre les deux professionnels que nous sommes, chirurgien dentiste et prothésiste dentaire, doit permettre de faire quelque chose de bien qui s'intègre et qui répond à l'exigence que doit avoir tout le monde pour leurs dents. Même s'ils ont eu un problème dans la vie et qu'il faut les remplacer. Bien sûr. Donc non, le différentiel de financement n'est pas si important que ça. C'est encore plus dommage aujourd'hui. Ah, la question, c'est qu'il faut peut-être réfléchir aussi à ce que le remboursement de la sécurité sociale soit aussi modulé en fonction de la provenance. Quoi. Ça permettrait de régler le différentiel, parce que c'est, encore une fois, c'est de l'argent des Français. Si ça ne contribue pas au travail français, aux savoir-faire français, il y aurait au risque de la disparition. Parce qu'en réalité, comme d'autres secteurs, il y a des secteurs qui disparaissent parce qu'on a décidé que c'était tellement plus facile d'importer. Voilà. On a fait ça pendant la crise sanitaire, hein. Ça a moins bien marché quand même. Voilà. Il nous a fallu des masques, heureusement que... Ah oui, heureusement que rien. Heureusement que...
heureusement que rien, mais enfin on s'est rendu compte, voilà, on s'est rendu compte de la conséquence que ça peut avoir quand on a des industries qui ont évidemment totalement disparu. C'est pour ça qu'on n'aimerait pas que ce soit ce qui arrive à notre profession, où on peut avoir des professionnels de qualité, avec une profession qui s'est en plus beaucoup digitalisée ces derniers temps, ouais, qui a fait appel à du numérique, à de la conception par ordinateur, des choses comme ça, et qui peuvent plaire aux jeunes et leur amener quelque chose. Il y a combien de jeunes qui sortent là chaque année? À peu près 1200. D'accord. C'est suffisant? En ce moment, on a beaucoup de travail. En fait, nous, je ne sais pas si on a profité de la crise, puisqu'il n'y avait plus d'avions qui venaient de Chine pendant un moment. Donc, du coup, on a un peu relocalisé l'industrie. Et c'est vrai que les laboratoires sont plutôt en recherche de personnel en ce moment, comme beaucoup de métiers, hein, vous remarquerez. Hein. La grande question des gens, c'est aujourd'hui aussi de trouver du personnel. On a des écoles qui se remplissent mieux qu'il y a quelques années, et on est bien content. Mais on aimerait bien que ça reste comme ça, justement, et qu'on puisse atteindre encore de plus haut. Qu'on peut certainement embaucher quelques milliers de personnes dans notre profession aujourd'hui. Il y a 3250 laboratoires en France, dont 18 000 personnes qui travaillent dans ces laboratoires. D'accord. On peut certainement en trouver encore 3-4 000 facilement avec aujourd'hui le travail qu'on a à faire. Ok, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo et bonne chance. Merci. Merci. Bonne chance. Sur la sécurité sociale, peut préciser s'il vous plaît, Mme Le Pen. Ça va de bijoux à fiducteurs. C'est très construit. On voit quelque chose. Ça fait un malheur en Chine, ça. C'est une architecture. Ça s'est vendu comme des petits pains en Chine. En Chine, ils ont volé le modèle.
On a travaillé avec eux, puis au bout de 3 ans, ils ont eu 3 royalties anniversaires. Et ils ont changé le nom pour se battre avec les Chinois. Ouais, c'est l'enfer. Ça nous a volé. Et là, c'est un peu l'emblème de la maison. Merci. Ils symbolisent le passé, le présent, le futur. C'est plus des fois organisé. Vous êtes combien, 38? Vous êtes des amis là. Non, c'est pas obligatoirement des amis en même temps. J'ai été 11 ans tout seul dans une cave. Et puis un jour, je me suis dit, je vais aller à la ville. Je suis allé à la petite ville de Chemin. Et là, on a été tout. Et donc, vous êtes où exactement? Non, présent, de la main. D'accord. On est présent pour voir l'homme, on est présent. On est présent à Lyon aussi. Et dans deux cultures. En propre, c'est trop bien. D'accord. Et ce sont des salariés, c'est des gens qui ont fait. Alors, il y a des gens qui ont fait l'école, mais principalement on les forme. Ah, vous les formez. Vous les formez vous-même. Oui. Non, parce qu'on est un site très particulier. Alors, au début, c'était difficile de trouver les gens. Avec l'image, pour progresser dans le temps, ça devient un peu. On ne peut pas prendre tout ce qui se présente. Mais il y a quand même du mal à recruter. Après, pour garder les gens. Pour garder les gens. Et pourquoi? Parce qu'ils sont trop bien formés, ils partent à la concurrence ou... Parce que, oui, parfois. Ouais. Mais on n'a pas toujours les moyens de vivre. On ne fait pas partie d'un grand groupe, on est indépendant. Et c'est vrai que, même si ça progresse d'année en année, c'est petit à petit. C'est ça. C'est difficile d'être en concurrence avec un groupe, c'est sûr. Et quand vous formez quelqu'un, vous payez pour former quelqu'un, alors qu'il y a des enseignants qui sont payés pour former. Alors nous, ça n'est plus. Alors même s'il y a des lois qui ont évolué récemment qui sont plutôt positives. Oui, je vais les pérenniser. Bon. Et ça reste quand même une charge importante. Et voilà, enfin, je devrais pouvoir parler peut-être avec Mathieu. Ce qu'on va faire, parce qu'il y a Philippe, Mathieu, tous ses fils. Mathieu, c'est mon fils, c'est l'avenir. Comme il va une certaine qualité, on organisera une vidéo pour passer. Oui, mais c'est intéressant, je trouve, de parler avec. Ils ont fait un inscription. Il faut que tu montes ta bague à chaque tatouage quand même. C'est la signature de Philippe. Caroline, je confie ça à ton père. Le petit château monté sur...
vraiment vrai, quoi. Prenez à droite. Dans la Vienne, hein. Vienne, genre, un truc comme ça. Voilà, donc c'est une histoire familiale. Non, mais elle va commencer dans les années 1940.
fait le premier verger. Et après, moi, quand je suis arrivé dans la société, c'est en 97, on a fait toute la partie de transformation. Donc là, on a lancé sur le tout ce qui est jus. Et après, ce qu'on développe aussi également, c'est la partie de circuit court. On a lancé ça, si vous voulez, donc on est fait tout ce qui est collectivité. Donc ça fait une dizaine, 15 ans maintenant qu'on lance tout ce circuit court. Nous on sert localement, le Charleau c'est une petite commune, hein, on fait tout ce qui est sur Civray, donc on arrive, les collèges, les lycées, on va jusqu'à Poitiers. Voilà. Là, on arrive à développer des choses voilà, intéressantes, on essaye de marcher en commun. Voilà, donc, avec le il n'y a pas de meilleurs fruits ou légumes que ceux qu'on produit près de chez soi. Directement, c'est tout un impact. Hein. C'est avec le département qui a lancé ça, c'est ça agri-local. C'est une collectivité, on nos numéro. Ils nous passent des commandes, enfin, ils font des demandes de appels d'offres, et on va y aller. C'est quoi le produit d'affaires? Alors, circuit court, ça on commence à monter à 15%. Et nous, c'est ça, madame, c'est ça. Nous, localement, si on a commencé depuis 1940, voilà, notre activité est connue par rapport à tout ça. Et là, on est en train de faire des choses très intéressantes. Vidéos, mais... Made in France, c'est ça.
à gauche. Essayez de rentrer dedans si possible. Ah, oui, d'accord. Oui. Jean-Michel, elle va rentrer. Et vous vendez ça parce que réseau, alors, réseau de distribution classique, donc la grande distribution n'est pratiquement plus. D'accord. C'est un choix qu'elle a fait de planification alimentaire. Tout ce qui est spécialisé, sportif. À l'export, on a des acteurs qui distribuent nos produits et on se déplace de plus en plus sur l'événementiel, dans des hôtels, restaurants au-delà. Ah, oui, c'est une clientèle un petit peu différente pour donner un peu de plaisir à ceux qui ne connaissent pas le plaisir de la pétanque. Et vous avez combien de salariés? On est 80. Ah oui, c'est déjà très très beau. Oui, une belle PME. Ouais, une belle PME quand même. Voilà. C'est on bien. On fait 25 millions d'euros, on fabrique 2 millions de boules par an. Et alors, elle a quel âge cette entreprise? 60 ans. Ah oui, quand même. Et moi, j'y suis depuis 40. Ah. Parfait, elles sont superbes, hein? Elles sont superbes. Voilà, c'est cool. Et puis on fait quand même honneur à notre drapeau. Oh, j'adore! Le cochonnet, trop mignon. Hein? Ça, c'est du Made in France. Oui, c'est un Jura. On voit pas. Vous allez tirer ou planter, madame Le Pen? Je vais rien faire du tout, parce que sinon, vous allez souffrir. Vous êtes juste en face de moi. Enfin, vous êtes une marque très connue. Mais on fait tout pour l'être, on fait tout pour fabriquer des beaux produits avec un savoir-faire d'exception. Troisième génération aujourd'hui et on espère continuer encore. Vous avez du mal à embaucher? On a du mal à tous les gens qui veulent travailler, oui. Ouais, du mal à embaucher. Mais une fois qu'ils sont chez nous, ils sont tellement bien qu'ils y restent au moins 40 ans. On va être au but, on n'y passe pas. Vous faites quoi? Vous formez des gens? Vous formez des jeunes? Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Vous les prenez, vous les formez? On est en train de faire une passation de pouvoir. On a eu une personne qui est assez vieillissante. Il y a des jeunes qui rentrent aujourd'hui. Thomas Benjamin, qui est chez nous depuis 6 ans. Voilà, donc la jeunesse arrive. Moi, je suis rentré en production. Maintenant, je suis passé au commercial depuis 2 ans. C'est ça. Et vous avez été formé dans l'entreprise? Exactement. Je suis rentré à 18 ans et aujourd'hui, j'en ai bientôt 25 et je crois pas. Non, mais ça c'est quand même une part du secret. C'est ça qu'on fait des propositions pour que ça coûte le moins cher aux entreprises de former des jeunes. Parce qu'il les forme, en plus c'est spécifique. Chaque entreprise a quand même sa spécificité. Hein. C'est des métiers bien particuliers où il y a un savoir-faire d'exception. Bien sûr. Garder en place et de maintenir. C'est bien parce que c'est quand même des domaines dans lesquels on voit bien qu'il y a une capacité de monter dans l'échelle qui est très certainement plus facile que dans des secteurs où on arrive directement à trouver les restes. Ou dans des très grands groupes, etc. C'est moins simple. Hein. Et ben, félicitations en tout cas. Ça donne envie de partir au soleil pour... Voilà, on arrive à faire sourire. Donc c'est quand même le plus important. Et toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et bonne continuation. Hein. Merci. Thierry, il ne servira à rien. Thierry, on l'appelle, on ne va pas entendre rien. Je pense que l'on est pas noir. Alors, quand on a besoin de descendre, on va faire 1 mètre de haut. C'est top. Donc, c'est parce que ça descend.
entreprise d'insertion. Dans le fond. Nomade. Aujourd'hui, ça de chevaux. Donc, vous faites même des conversions dans chaîne de chevaux. En thermique. C'est ça, tout à fait. On vous l'amène et puis vous changez une. C'est le rétrofit. C'est, rétrofit. Voilà, c'est la conversion électrique. Et pareil pour la Méhari. Alors, la Méhari, c'est un véhicule neuf, c'est différent, mais on souhaite venir à terme sur un kit de rétrofit pour les anciennes Méhari. D'accord. La Méhari, on va homologuer. Elle s'appelle Eden, c'est un quad de cycle Lora moteur. C'est comme un gros quad. Voilà. C'est comme un gros quad. Quad de cycle Lora moteur, homologation pour la Méhari. Pardon. Ça va ? Il s'appelle Eden. Donc c'est la même technologie que de rétrofit. J'ai participé. À 90 km. Ça fait plus de 4 ans qu'on la commercialise, mais on a passé la centième véhicule produit dans nos ateliers à Gassim. C'est un club de Cassis qui est une entreprise basée à Cassis dans les Bouches du Rhône, qui redonne vie à tous les dessous, à Citroën en tout cas. Et puis passer entreprise va combien en vrai de Méhari? Non, mais de chevaux. En circulation, c'est compliqué. C'est difficile à évaluer parce qu'il y en a beaucoup qui sont. On en voit beaucoup. Ah bon? Oui. Bravo, vous dites ça parce que vous la gardez. Parce qu'on est dans le domaine. Moi, j'en vois pas beaucoup.
Bravo, en tout cas, c'est bien, vous vous mettez au bout du jour. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci pour ce petit moment de feedback. Si vous pouvez vous mettre juste à côté, comme ça, Paris Match. Attends, moi je vais être sur Paris Match, je mettre en place ces lois, nous on a des homologues dans les pays italiens
à cœur de mettre en place ces lois. En tout cas, vous croyez avoir des soutiens européens. Et à minima, juste interdire les communications, le drapeau bleu, blanc, rouge, fabriquer, enfin, innover en France, conçu en France et toutes les choses qui veulent tout et rien dire. C'est ça. Là, peut-être rappeler à l'État que l'État interdit le bleu, blanc, rouge sur les affiches électorales le jour du scrutin. Si vous pouvez expliquer peut-être la même chose. Et pour éviter justement la confusion, là, élargissons ça et permettons à nos entreprises françaises de ne pas être victimes de cette communication. Au sujet des élections, les deux dernières fois où il y a eu des élections, la FINUF s'est fait forte d'aller auditer chacune des boutiques de campagne des candidats et des candidates. Et je ne sais pas comment vous positionnez cette fois-ci, mais les deux dernières élections, on a dû annoncer que vous étiez l'un des plus mauvais élèves en matière de sourcing de vos goodies. Ah, le problème, c'est que nos goodies, sont des goodies très peu chers. Et dans les goodies très peu chers, on n'en trouve quasiment plus en France. C'est extrêmement difficile d'en trouver. C'est un débat qu'on a eu en interne. Les t-shirts, on en trouve. Mais ça, c'est déjà du goodies cher. Mais le goodies qu'on donne, c'est difficile d'en trouver. Est-ce que ça ne serait pas mieux de ne pas en donner? D'accord. Change de paradigme. Voilà, abandonnez-moi, mieux. Tu sais bien, je l'ai dit d'ailleurs, ce serait bien, c'est en réalité de... Oui, mais le problème, c'est que si vous voulez, c'est du goodies qu'on ne vend pas. Vous voyez, donc on ne le vend pas. Il ne faut pas non plus que ça représente un coût. Quand c'est du matériel publicitaire qu'on vend, les t-shirts, etc., il y a des gens qui peuvent mettre dans un t-shirt. Mais sur tout ce qui est choses qu'on donne, là, en réalité, on n'arrive pas à trouver de producteurs. Quoi. On a un mal fou à trouver des producteurs français. Donc j'avais dit, ce qu'il faut, c'est créer une filière des goodies. Je l'avais dit. Je l'ai lu. Il y a une liste dedans des producteurs de goodies qui est sur notre site internet que vous pouvez trouver annexé à l'étude. Les gens qui conservent une industrie, l'excellent vote, ils disent mais moi déjà j'arrive pas à embaucher. Non, parce qu'en fait, personne n'est formé. C'est-à-dire que le savoir-faire a complètement disparu, et donc il faut reprendre, et honnêtement, un jeune à qui on dit est-ce que tu veux travailler dans le textile, il dit c'est quand même un peu de gueule, parce qu'on ne sait pas combien de temps. Dans la filière textile, il y a des formations de Bruxelles qui renaissent. Ah, mais ça je sais, mais c'est des sociétés. Qui en fait forment leur propre. C'est génial, c'est très bien. Mais je veux dire, on peut pas. On essaie d'en tirer en disant les gens ne veulent pas travailler. Non, c'est parce que on ne sait plus faire du tout. Il n'y a plus de. C'est tout ça aussi qu'il faut faire en accord. C'est là où on voit qu'il n'y a pas de politique publique qui peut être menée sans qu'il y ait quand même une relation extrêmement. Avec les entreprises du secteur. C'est ça, pour connaître quels sont les besoins, quels sont les besoins d'information. Très bien, merci. Ah non, on avait galéré pour trouver des. Vous ne trouvez pas de fabricants de goodies pas cool, quoi. Bah, tu vois, les trucs en plastique, les bagues, les machins, ça existe. Il n'y en a plus maintenant. Il n'y en a plus en France. Ils sont tous. Et pourquoi? Ils sont tous fermés. C'est qui, Arnaud Sport? Pourquoi vous connaissez pour la voix?
je crois que vous connaissez un peu la voile. Oui. Voilà. En fait, c'est qui en espèce, c'est dans d'autres efforts qu'on a testé, qui ne pas chavirer. Et pour lesquels on peut avoir plein de personnes, en situation d'habitat mixte, avec une personne accompagnée. Donc, il n'y a pas en faire de la voile, c'est un peu de sécurité. C'est dans toutes les compétitions, que je vais en France, parce que je pourrais s'exporter un peu. Donc, en fait, on a des séries différentes. Et voilà, des petits DTPE du Gard, qui est ce que je veux dire. Et vous êtes où dans le Gard? Nous sommes un peu tout à l'est, le Gard. La ville d'Alès, nous sommes au nord de l'île. D'accord, d'accord. Et alors vous en sortez combien par coup par an? C'est une petite étude par an, nous sommes une TTE. C'est une petite bateau par an à peu près. C'est déjà pas mal, hein? Et voilà, c'est très bien, on est content, nous sommes en collection. Je suis vraiment avec l'association du Glace qui est rapide et qui fait connaître le bateau, comme je vous disais, à l'extérieur du pays. Et qui est un groupe, une quinzaine de bateaux à chaque épreuve. D'accord. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Et vous allez vous gérer là-dedans? On est spécialisé là-dedans. C'est un métier de passion au départ. On a rencontré le handicap, on a trouvé ça très sympathique de voir les gens sur cette handicap vouloir apprendre à faire de la voile. Et c'est un des rares sports, sinon le seul sport avec lequel on puisse régater à l'égalité de sa section. Ah, ça c'est vrai. Voilà. Donc on est dans ce discours d'inclusion en totalité de plaisir. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment une belle entreprise et une belle mission. Félicitations. Bravo. Marine, s'il vous À votre gauche. Ouais, la série.
fait, on compte en développement de 171, 150 d'investissement. Donc, la particularité aujourd'hui, c'est d'être implanté sur Paris pour pouvoir représenter la Haussmannienne. Et d'ailleurs, la Haussmannienne, à Millau, dans les plus grandes villes, à Paris, à Bordeaux, à Lyon. Nous sommes les seuls à le faire en France, puisque nous avons un savoir-faire qui est dans la journée. C'est une entreprise qui a 150 ans, qui existe depuis 1871. On peut récupérer l'ancienne Crémone. Voilà. Nous travaillons avec Rémi Garnier, un artisan typique parisien. Et chaque Crémone qui est récupérée sur ces fenêtres-là, vous pouvez la refaire et directement la restituer sur votre fenêtre. Mais cette fois-ci, nouvelle fenêtre. Et ancienne Crémone est refaite. Super. Voilà. Pour une vieille propriété, moi je cherche cette vieille. Exactement. Vous venez de ça, mais pas à 10 000 euros. Non. Mais si vous souhaitez la payer 10 000 euros, on est content. Non. Mais ça, c'est intelligent, parce qu'effectivement, souvent, on les a encore, ça. Vous avez tous les prix sur les crémeuses. Mais surtout, dans tous les immeubles haussmanniens de Paris, tu ne peux pas mettre du double vitrage moderne, c'est immonde. C'est bien ça. C'est Paris, non, mais dans le type haussmannien. L'idée, c'est de pouvoir conserver un tiers de jour au maximum, de conserver les crémeuses existantes, parce qu'il y en a qui sont de très grande valeur et que les gens les jettent. Rémi Garnier les prend, les récupère, les restaure et on peut les mettre sur les fenêtres neuves. Exactement. Donc voilà. Puis vous avez un produit qui est dans les performances modernes, au point de vue thermique, au point de vue phonique. Vous entrez dans les économies d'énergie. Et vous êtes de l'Aveyron ? On est à Millau. À Millau. Voilà. Quand vous passez sur l'autoroute, vous voyez un beau crayon sur la droite ou la gauche, suivant par où. Vous descendez. La prochaine fois que j'y passerai, je regarderai ça. Arrêtez-vous chez nous. Merci beaucoup. Ah non, mais merci. Bon salon. Tous des idées incroyables. On est à 15 millions de chiffres. Pour centaines de personnes. Et avec le vrai savoir-faire. Comment ? Vincent. C'est juste là. Bonjour. Alors ça c'est du... C'est des couteaux Laïeul, fabriqués artisanalement à Laïeul du coup. Je sais pas ce que vous... Les vrais. C'est des vrais, oui. Les vrais. Laïeul a tellement battu, il a été victime de tellement de contrefaçons, de manœuvres, de... Encore. Et donc on attend pour le salon esprit de Made in France. Ah, il est joli. Voilà. Il est joli. Ils sont très très beaux là. C'est très gentil. C'est très joli tout ça. Mais je me souviens que vous étiez beaucoup battu. Oui, je crois encore. Et vous battez encore. Il y avait une petite amélioration, mais... Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup avancé. Oui. Quand même, ça, ouais. Ça a été compliqué. Hein. Réussir à défendre la marque. Il y a encore un peu à faire, mais peut-être ça va. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est que c'était une... C'est vrai, ça a toujours été comme ça, mais... Mais la contrefaçon, c'est autre chose encore. Mais là, bon, ça va. Ça va mieux. Les gens font plus attention à ce qu'ils achètent aussi. Maintenant, on est quand même sensibilisés au Made in France, fabriqués au savoir-faire, à l'artisanat aussi. C'est vrai, mais parfois ils peuvent se faire avoir, vous savez. Oui, malheureusement, oui. Voilà, donc ça, c'est le travail aussi de nos contrôleurs qui doivent être un peu attentifs. Déjà, on présente nos produits, déjà, ils commencent à prendre conscience que c'est pas parce qu'on achète moins cher, c'est bon, on achète plus cher, mais il y a nos produits aussi. Bien sûr. C'est vrai qu'ils sont très bons. Ceux-là sont très bons en tout cas. Et le chiffre d'affaires en croissance ? Il augmente. Ouais. Même avec le Covid, honnêtement, on a monté parce que je pense que malheureusement cette pandémie, même si c'est malheur,
elle a permis aux gens de faire attention à ce qu'ils achetaient. Voilà, je le ressens comme ça. Ils achètent plus français. Voilà. Oui. C'est vrai que ça a eu un effet. Ça a eu un effet. S'il vous plaît, Marie, je peux vous prendre un peu avec ça ? Bien sûr. Je vais l'envoyer à mon frère, mon frère des admirateurs. Merci beaucoup. Bah, félicitations, merci. Bravo et puis bonne continuation. Mais merci de votre passage. Ah oui. Vous êtes ancien. Bonjour madame. Ah. La carte française, c'est déjà venu il y a 12 ans exactement, la carte cadeau du Made in France. Ça me rappelle quelque chose, c'est ça. Et alors, deux ans après, on s'est lancé, on a désormais 370 enseignes. C'est donc la première carte cadeau multi-enseigne dédiée au Made in France. Vous pouvez acheter 150 000 produits fabriqués en France avec une carte cadeau, avec un cadeau. Vous êtes sûr de faire plaisir à tout le monde. Et puis, c'est même potentiellement un outil de politique publique et de fléchage, je ne sais pas, de la prime de Noël, des allocations rentrées. Comme ça, vous avez un effet. Non, mais vous avez très sérieusement un effet de levier 30 fois supérieur plutôt que de distribuer des euros. Aujourd'hui. Vous avez raison. Franchement, ça existe. C'est sur l'étagère. Je pense que c'est même compatible avec le droit européen. Parce qu'en soi, il n'y a pas d'ARS en Allemagne, en Pologne, je ne sais pas quoi. C'est pas très grave. Et puis, on a des coffrets thématiques. On a un petit guide qui l'accompagne, que je vous remets. Qui passe en revue pour vous rendre incollable sur le sujet si vous ne l'êtes pas déjà, et puis passer en revue une soixantaine de nos premières enseignes partenaires. Et donc, nous on vend. Vous en avez combien là maintenant ? Donc 370, 150 000 produits. Pour notre première année, on a fléché 1 million d'euros des budgets des comités d'entreprise vers le Made in France à budget constant. Et il s'agirait que les collectivités locales, que les municipalités, partout en France, mais dans le Nord aussi, offrent ça à leurs agents éventuellement. On pourrait faire mieux même. Bah peut-être, mais et puis voilà, ne serait-ce que pour les primes des fonctionnaires, allocations, c'est une manière de mettre le. Ça résout le sujet du coup de pouce budgétaire au Made in France. Vous offrez entre 30 et 150 donc euros dépensables en Made in France. Pas totalement, mais disons que ça participe sur le plan de la philosophie exactement à ce qu'on. Mais c'est 4 milliards d'euros l'ARS et la prime de Noël chaque année. Imaginez en carte française, c'est un effet multiplicateur de x 30 sur l'impact emploi industriel local de distribuer en carte française plutôt qu'en euros. Il y a de l'alimentaire, il y a de la maison, il y a des enfants, il y a des jouets, il y a du sport, il y a de la culture, vous avez tous les vins français, tous les jeux français, toutes les fleurs locales, toute la mode. Il y a la moitié des exposants qui sont partenaires, c'est parce que juste on n'a pas le temps bien sûr. Notre jeune équipe encore. Mais on a vocation à cartographier tout le pays et on lance une V2 l'année prochaine qui sera rechargeable, prolongeable à vitam aeternam et qui générera 3% de cashback et qui sera sur votre téléphone, sera la monnaie du Made in France. Ce sera plus intéressant d'utiliser que sa carte bleue personnelle parce que vous serez récompensé d'acheter local et patriote. Et donc, là, voilà. Vous bossez avec combien d'entreprises hein? Pas entreprises qui sont dedans, mais entreprises qui clients, utilisent la carte. On a 200 CSE aujourd'hui et COS. On bosse avec l'Elysée, avec la métropole du Grand Lyon, avec Sciences Po, mais aussi avec Safran, Danone, la CMA-CGM, Bouygues Télécom, cette année qui l'offre à tous ses salariés. Ça a bien démarré hein, depuis que je vous avais vu. On avait un jour de distance à l'époque, donc on a 2 ans et un jour. C'est vrai que vous venez, c'était encore une idée. Bah, c'était un tout début de projet. Et donc maintenant on a la moitié du salon et l'année prochaine le salon aura doublé et nous on aura tous les exposants du salon et voilà. Et on aura un coffret de toutes les régions, Hauts-de-France aussi, pour toutes les thématiques, naissance, si vous connaissez un heureux événement dans votre famille. Pas encore. Voilà. C'est très sympa. Et donc, si tu fais la carte française dans cette campagne. Je vais vous apprendre un truc, mais vous restez avec nous, vous ne tombez pas dans les pommes. Je suis candidate à l'élection présidentielle en France. Truc de fou. Très bien. Bon salon. Merci. Alors là, vraiment, là, vous m'épatez quand même, parce qu'en l'espace de 2 ans, quoi que je croyais hein, à la viabilité, c'était une très bonne idée, mais je ne pensais pas que ça démarrerait aussi vite et aussi fort. Bon, ce n'est que le début, et on a besoin de toutes les collectivités locales. Je suis sûr que ça va être le début. Bon salon, madame. On va donner le signal à nos régionaux. J'ai une surprise, mais je ne suis pas sûre que vous me reconnaissiez. Je veux dire tu. Ça va être compliqué. C'est qu'il y a des petites. On était en CP ensemble.
Alors, je vous l'enlève. Ah oui, en effet, c'est un peu compliqué. C'est drôle. Avec la meilleure volonté du monde, là, non. Ils vont pas promouvoir le produit Made in France Bleu Blanc Rouge Napoléon. Ils parlent aux étudiants pour que les gens ils consomment beaucoup Made in France, oui, les professeurs. Les professeurs pourront le faire, mais que l'État donne l'exemple. On tourne à droite. Est-ce que Marie-Juste. Attends, on fait une pause juste ou bien ? Tourne à droite. Si on ne voit pas les gens, c'est qu'en réalité, ils ne voient pas l'étiquette. C'est à l'étiquette, il faut ajouter le chômage, pour être du chômage de masse. Donc, l'un dans l'autre, il n'est pas sûr que le différentiel soit si important que ça. Ce qui est vraiment très problématique, c'est quand les normes ne sont pas. Les mêmes normes ne sont pas respectées. C'est un sujet, moi j'avais évoqué avec un des cadres de BIC, les silos jetables et les briquets jetables. Et sur les briquets, il disait, mais moi, à normes égales, je reste compétitif en France. Mais à normes inégales, évidemment, je peux pas m'aligner, c'est impossible. Donc tout ça, c'est aussi le travail des douaniers, tout ça, c'est aussi le travail des contrôles, en fait, du respect des normes, que vous ne faites pas. Les autres pays le font bien. C'est pas vrai. Je suis désolé. Allez en Vendée. Pourquoi la Vendée a un niveau de chômage aussi bas? Ben parce que notamment les collectivités territoriales font bosser les entreprises vendéennes. Voilà. Donc tout le monde en bénéficie. Et pourtant, il n'y a pas en Vendée particulièrement des impôts qui soient plus importants qu'ailleurs. Donc je crois que c'est un faux débat. C'est un argument qui a été soulevé et défendu en permanence pour expliquer qu'on ne pouvait rien faire. Voilà. Et qu'en réalité, il y avait un bénéfice à laisser nos frontières totalement ouvertes aux importations. Mais ça n'est pas vrai, d'autant qu'entre-temps, si vous voulez, les produits qui sont importés à très bas coût de Chine, par exemple, regardons les t-shirts. Vous avez déjà vu les t-shirts de la grande distribution à 2 euros? Moi, j'en ai jamais vu un. Et pourtant, ils doivent les toucher à 20 centimes. Donc, en réalité, il y a une marge qui s'est faite et qui est récupérée bien souvent par la grande distribution, qui est une marge extrêmement importante. Mais est-ce que le consommateur final, lui, il a vu véritablement les avantages? Non. C'est surtout les distributeurs qui ont vu les avantages. Oui, bonjour. Monsieur Vaudry, porte-parole. Bonjour. Alors le Déclinaire, c'est un groupe européen familial, à capitaux, concours irlandais. Très bien. C'est implanté à Lens. C'est la plus grosse entreprise du département d'Aisne, 1000 salariés. Et c'est implanté en France avec 6 sites industriels, 5 centres de R&D, dès la fabrication française. Et on y tient et on l'affiche, Origine France garantie. Systématiquement. Nous sommes spécialistes dans un groupe industriel, spécialiste du confort thermique. Nous fabriquons des appareils de chauffage électrique, mais également des pompes à chaleur. Et ça répond notamment à la question de la transition environnementale. Ouais. Mais avec un ancrage fort dans les territoires, historique depuis plus de 60 ans. Et nous avons aussi une responsabilité sociale, simplement. Et nous avons embarqué dans la logique de la certification Origine France garantie. 90% de nos produits sont certifiés parce que ça a du sens, parce que c'est de notre responsabilité aussi, nous semble-t-il. Nos emplettes sont nos emplois, ou inversement, nos emplois sont nos emplettes, ça peut marcher dans les deux sens. Et avec une véritable logique d'engagement autour du maintien de nos fabrications en France. Pourquoi? Parce que nous avons notre R&D en France qui nous permet de fabriquer, de maintenir nos emplois, d'assurer aussi une montée en compétences de nos collaborateurs. Nous recrutons aujourd'hui, nous avons plus de 50 postes ouverts en CDI
pour lesquels nous ne trouvons pas de candidats parce qu'il nous manque. Il y a un manque de compétences. L'industrie française a été diluée pendant 40 ans. C'est ça. Et aujourd'hui, non, on est pareil. Non, mais je suis contente de vous entendre dire ça parce que bien souvent, les interlocuteurs qui sont autour là pensent que quand les chefs d'entreprise n'en trouvent pas de gens pour travailler, c'est uniquement parce qu'il y aurait 5,5 millions de feignasses qui ne voudraient pas travailler. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que l'industrie s'est encassée la figure. En réalité, il n'y a plus de compétences industrielles. Il faut recréer toutes les compétences industrielles. Absolument, parce que dans les années 80, il a été question, j'ai 50 ans passés, donc il faut en parler tranquillement. Dans les années 80, il était question de tertiariser la France. C'est ça. Et de dire, on fait de l'usine. Un pays sans usine. On fait, c'est ça. Et de faire de la Chine l'usine du monde, c'était le cas. Aujourd'hui, on est en train de rétro-pédaler, et Dieu sait si c'est compliqué, de devoir réintégrer de la fabrication. Donc le groupe n'a jamais délocalisé, ni en Europe de l'Est, ni en Asie, ni dans les pays du Maghreb, ça aurait pu se faire. Et en fait, vous formez vos propres... Alors, aujourd'hui, on fait deux choses. On a opéré une activité qu'on a relocalisée. Quand on fabrique des pompes à chaleur, ça nous oblige à avoir des types de stockage, pour faire de sa production de choses sanitaires. Et c'est la seule activité que nous n'avions pas dans le groupe. C'était implanté en Serbie, que l'on a réintégré. Donc ça veut dire un investissement, 5 millions d'euros sur capitaux propres pour l'industrie d'investissement pour relocaliser cette partie-là, qui nous permet d'avoir aujourd'hui, on en a un peu de tiers, la première pompe à chaleur française certifiée au groupe France Garantie. C'est la pompe à chaleur la plus française du groupe chaleur. On en a un peu de tiers, je ne fais pas de commerce, rien avant. Et néanmoins, on est dans une démarche aujourd'hui globalement de réindustrialisation, et surtout on fait en sorte, ce que j'expliquais tout à l'heure, on fait en sorte de, dans les différentes prises de parole qu'on peut avoir, que l'industrie, nous avons en France une industrie qui a des ambitions, qui a un savoir-faire, qui s'appuie sur de la technologie, et nous avons les compétences, et on a vu, il est nécessaire de redorer aujourd'hui l'image de l'industrie. Que l'industrie, ça n'est pas un gros mot, que l'industrie, ça n'est pas ça, que l'industrie est intelligente et que l'industrie sur nos métiers du confort thermique permet aussi d'accompagner un enjeu majeur, selon nous, qui est l'enjeu de la transition environnementale. On parle de la rénovation des logements, on a tous besoin de chauffage, on a tous besoin d'avoir des logements qui soient confortables, donc on s'inscrit dans cette logique-là et nous recrutons et nous continuons à investir et en recherche et développement et en outils de production industrielle. Voilà en résumé ce que je peux vous dire. D'ailleurs, d'un point de vue complémentaire, si je peux me permettre, par rapport aux énergies renouvelables, beaucoup plus pour la géothermie, couplé à la... que plutôt l'éolien ou le solaire. Alors, parce que je pense que la géothermie... Vous avez raison, mais... Alors, je vais vous le dire autrement. Je vais vous faire comme dirait Mme Le Pen. Vous n'avez pas tort, mais... C'est-à-dire qu'on est, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de la production et on parle de l'usage. Du stockage. Alors... Éventuellement le stockage. C'est encore un autre sujet. Mais sur la production, les énergies renouvelables, éolien, hydraulique, c'est une solution. Oui. Donc, qui est une solution historique. Mais l'éolien, le solaire et l'hydraulique sont des solutions de production d'énergie qui sont décarbonées. Pas tout à fait, pas complètement décarbonées, mais du moins faiblement carbonées par rapport aux énergies fossiles. À côté de ça, le pendant de ça, c'est l'usage. L'usage que nous avons dans nos logements. Le véritable enjeu, si on parle de la rénovation, c'est le remplacement de solutions fossiles, une solution des filières gaz ou des filières chaudes, qui sont pour le coup fortement émettrices de carbone, du CO2 notamment, avec la possibilité de les remplacer par des solutions dites énergie renouvelable. Donc c'est la pompe à chaleur. Là où géothermie trouve sa part, mais avec énormément de contraintes de mise en œuvre, y compris dans les grands programmes de construction. Voilà. Ça se développe quand même beaucoup, mais bon, c'est une obstacle. Moins rapidement que dans les pays scandinaves, et ça se développera moins rapidement pour des raisons de facilité. On a quand même une filière de la construction en France qui est extrêmement bien dotée, mais ce n'est pas forcément la direction que ça prend. Oui, sur les énergies renouvelables pour les logements, on mettrait juste un bémol pour la géothermie. Merci. Sans contradiction, hein, mais c'est... Donc voilà. Félicitations. Merci de votre venue. C'est une bonne campagne. C'est une ETI qui a vocation à passer de 1 000 à 5 000 salariés. Puis après, c'est cotation en bourse. Bon, on se rappelle. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous voir. Ah, c'était un plaisir. Bravo. Merci. D'accord. Vous avez de l'eau, quoi ? Est-ce que le micro-thème est ici ? J'en ai un. Explique-moi tout à l'heure. C'est ici. Ah là, c'est ici. Ah, très loin. C'est ici.
c'est ici tout de suite. Je sais pas ce que dit Alexandre, alors je pense que pour le micro. Pas devant, pas. C'est bon, pour pas. Ouais. Pardon. Valentin, Valentin. Ne vous faites pas de mal les gens les autres. Valentin. Je vais juste laisser passer encore. Non, attendez deux secondes. Attendez deux secondes. Voilà. Valentin. 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 Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, non. Ouais, c'est bon. Attendez. Est-ce que tu peux venir vers moi? Ouais, j'en ai un petit coup. Je me dis que c'est bon, les candidats. Merci. Madame Le Pen, c'est le défilé des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, vous parliez vous-même de clones. Pourquoi ? Vous avez été vraiment la première à défendre le défilé. Ah oui, je crois que nous avons été les premiers à évoquer le Made in France, mais surtout nous avons été les premiers dans les années, au début des années 90, à expliquer en quoi la philosophie de la mondialisation allait entraîner l'ouverture totale des frontières et donc la concurrence internationale déloyale et donc à terme la désindustrialisation du pays et le chômage de masse. Donc je pense qu'on a été sur ce sujet vraiment très en pointe, très lucide sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes défendent la réindustrialisation, je suis heureuse. Même ceux qui ont été au gouvernement, quand précisément on nous expliquait que la France avait vocation à devenir un pays sans usine, hein, qu'on allait devenir un pays exclusivement de services, et que le village mondial, c'est extraordinaire, la Chine allait être l'usine, l'Amérique du Sud serait le verger, et puis nous, ben, on ne savait pas trop ce qu'il fallait qu'on soit d'ailleurs dans ce partage mondial, la maison de retraite peut-être du monde. Mais en l'occurrence, cette théorie-là était une théorie erronée dont nous payons évidemment lourdement les conséquences aujourd'hui. C'est un pays qui s'est évidemment très lourdement désindustrialisé, ça a une conséquence sur le chômage important qui est le nôtre. Ça a une conséquence aussi, évidemment, sur le déficit de la balance commerciale, puisque nous avons un déficit, vous le savez, qui est inouï, de 85 milliards. C'est, aucun pays autour de nous n'est dans cette situation. Un certain nombre de pays, d'ailleurs, ont en réalité une balance excédentaire. C'est le cas, bien sûr, de l'Allemagne, mais pas seulement, c'est aussi le cas de l'Italie. Donc, ce choix de la désindustrialisation, il a des conséquences qui sont en chaîne, en réalité. Alors, il faut réindustrialiser, il faut que l'État stratège joue son rôle. Les choses ne se feront pas du jour au lendemain, hein, on ne va pas raconter d'histoire aux gens. Il faut qu'on recrée, qu'on refasse de la France un pays industriel. Et on voit que beaucoup de chefs d'entreprise ici disent qu'ils ont du mal, qui sont souvent dans le milieu de l'industrie, disent qu'ils ont du mal à recruter. Je voudrais trancher la tête du canard tout de suite. S'ils ont du mal à recruter, ça n'est pas parce que les Français sont feignants et qu'ils ne veulent pas travailler alors qu'on a 5 600 000 chômeurs. C'est parce qu'il n'y a plus de compétences industrielles dans notre pays. Il n'y a plus de filières ou très peu de formations industrielles. Et puis il y a surtout une image qui a été dégradée. C'est-à-dire que l'industrie a été considérée par nos dirigeants et donc cette idée a été impulsée dans la société, que l'industrie était un concept ancien et qu'il fallait s'en détourner. Voilà. Et donc tout le monde devait aller à la faculté pour faire des études supérieures et ceux qui voulaient rentrer dans l'industrie, c'était quasiment des ratés. Donc vraiment cette image qui a été très dégradée a des conséquences évidemment sur la vision que les Français ont aujourd'hui de l'industrie, que les jeunes Français ont de l'industrie. Il faut donc changer également ça. Madame Le Pen, on a un dernier sondage qui est paru sur Éric Zemmour qui apparemment vous creusez l'écart selon ce sondage avec Éric Zemmour. Est-ce que ça vous rassure? Il perd des points, est-ce que ça vous rassure dans la course à la présidence? Je considère que les sondages sont dans cette campagne présidentielle des outils peu fiables. Voilà. Parce que les biais qui sont choisis sont des biais qui rendent les résultats peu fiables. Je pense qu'il sera plus légitime de s'intéresser à ce que disent
les études d'opinion, probablement vers fin janvier, quand l'ensemble des Français seront dans l'élection, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, j'ai la même vision, je pense qu'ils sont peu fiables au moment où nous parlons. Et ça ne vous rassure pas que vous posiez les... Non, je n'ai pas besoin d'être rassuré, car je n'ai pas d'inquiétude, en réalité. Je me permets une autre question sur Éric Zemmour. Vous avez dit récemment qu'il avait un problème avec les femmes. Pourquoi est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous pensez que ça va être un... Je le pense parce que je le lis, parce que je l'ai lu. Et parce que quand vous lisez Éric Zemmour, vous constatez qu'il a manifestement une image des femmes qui est extrêmement dégradée. Qui est d'ailleurs, il faut bien le dire, assez injustifiée. Parce que quand il dit, entre autres choses éminemment désagréables, que partout où la femme paraît, en quelque sorte, le pouvoir s'évapore et que la féminisation de la société serait la responsable, en fait, un peu de l'effondrement de notre pays... il faudrait lui rappeler quand même qu'il n'y a pas eu de femme présidente de la République, me semble-t-il, qu'il n'y a pas eu de femme ministre, enfin si, elle est restée quelques semaines, il y a 30 ans. Bon, il n'y a pas eu de femme présidente de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de femme présidente du Sénat, donc les femmes ne doivent pas avoir une aussi grosse responsabilité sur la situation dramatique de notre pays que ce qu'Éric Zemmour veut bien penser. D'ailleurs, peut-être faut-il envisager de confier précisément à des femmes des postes aussi importants que ceux-là. Madame Le Pen, on a une crise migratoire entre la Pologne et la Biélorussie. Que faire de ces migrants qui sont à la frontière? Il faut en charger le Haut Commissariat aux réfugiés, dont c'est le travail. Et il faut, dans l'idéal, les ramener de l'endroit dont ils sont partis, c'est-à-dire dans leur pays d'origine. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est ouvrir la frontière européenne. Donc je pense que la Pologne a parfaitement raison, et moi je la soutiens totalement, dans sa volonté de ne pas ouvrir les frontières de la Pologne. Donc je rappelle que ce sont également les frontières de l'Europe. Et que par conséquent, la France devrait s'honorerait à au moins soumettre à la Pologne la possibilité de venir par un renfort aider ce pays à défendre les frontières de l'Europe. Est-ce qu'il faudrait les laisser mourir de froid comme a pu le laisser penser Julien Angoulême hier à deux reprises? Non, évidemment qu'il ne faut pas les laisser mourir de froid, et évidemment que ça n'est pas ce qu'a dit Julien Angoulême, qui n'écoutait pas ce que le journaliste disait. Si, je peux le comprendre. Il l'a dit à deux reprises. Oui, il l'a dit à deux reprises, mais je crois que Julien Angoulême ne l'écoutait pas. Pourquoi il ne l'a pas dit en premier lieu? Voilà. Et quand il s'est arrêté de parler, et quand ils ont arrêté de se parler les uns sur les autres, et que le journaliste lui a reposé la question, qu'il a entendu, il a dit non, bien sûr. Donc cherchez pas des polémiques là où il n'y en a pas. En revanche, encore une fois, je crois que c'est le travail du Haut Commissariat aux réfugiés que de s'attacher à ce que ces gens, évidemment, ne souffrent ni de la faim, ni du froid, et puissent être traités humainement. Et Madame Le Pen, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Vladimir Poutine qui semble laisser faire cette opération de déstabilisation aux portes de l'Union européenne? En quoi Vladimir Poutine devrait intervenir auprès de la Biélorussie pour, dans un autre pays, pour pouvoir imposer à un pays voisin d'éviter de lancer des migrants vers un troisième pays? Oui, ce serait bien qu'il le fasse. C'est d'ailleurs très probablement ce que l'Union européenne finira par lui demander. En fait, je pense que l'Union européenne finira par demander à la Russie de faire d'user de son influence pour que la Biélorussie cesse d'utiliser les migrants comme une arme politique. J'espère qu'il le fera. Pour le moment, il ne le fait pas. Écoutez, pour le moment, il ne le fait pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas les relations diplomatiques avec la Russie qui nous permettent de leur demander grand-chose. Madame Le Pen, est-ce que vous consommez Made in France? Oui, je consomme Made in France quand je le peux. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes habillé en Made in France? Ah oui. Je suis habillé en Made in France. Vous voulez regarder l'étiquette? Je ne me permettrai pas. Ah bon, d'accord, c'est gentil. J'utilise des marques françaises dans l'ensemble, hein, parce que parfois je ne m'interdis pas d'aller regarder quelques marques européennes que j'aime beaucoup à titre personnel. Mais c'est important, mais encore une fois, ne portons pas tout sur le comportement individuel des gens qui, bien souvent, ne savent pas en réalité ce qu'ils achètent. Je vais vous donner l'exemple des pulls de l'armée qui a créé une polémique là, il y a quelques jours. Bon.
l'armée dit « mais nous sommes passés par des entreprises françaises ». Oui, mais c'est des entreprises françaises qui fabriquent au Maroc. Donc la vraie question que l'État doit se poser, c'est à l'État d'impulser cela en fait. À l'État, aux collectivités territoriales, aux entreprises publiques, c'est comment fait-on pour dire à l'Union européenne « nous ne souhaitons plus obéir à vos directives » qui nous imposent des appels d'offres européens alors que nous sommes l'État, alors que nous sommes des collectivités, alors que nous sommes l'armée et que donc nous souhaitons pouvoir bénéficier de la possibilité de faire travailler nos entreprises françaises et ne pas être soumis à des appels d'offres européens. Ça fait depuis 2014 que ce sujet est sur la table et il ne me semble pas qu'aucun des dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays n'ait posé ce problème-là. Si déjà ce problème-là était posé, je vous assure que la situation, ça probablement irait mieux. Les dirigeants qui se sont succédés, comme vous dites, eux ne défendent pas le Made in France. C'est de façade, selon vous. Mais je sais pas, qui défend le Made in France? Tout le monde dans les mots, en tout cas. Ah bon, Emmanuel Macron, il défend le Made in France? Alors comment est-ce qu'on peut défendre le Made in France et faire en sorte que, pour l'armée, à peu près l'intégralité de ce qu'on a acheté dans les 5 dernières années soit étranger? Voilà, y compris ce qu'on fabriquait nous-mêmes, ça a été terminé. Plutôt que de dire, ah tiens, il y a un problème, on a une filière là où on est en train de perdre un contrat, non, on a tout acheté à l'étranger. Donc ça, c'est pas du Made in France. Emmanuel Macron est un mondialiste, il ne croit pas au Made in France, il ne défendra pas le Made in France, il défend précisément l'idée qu'il y a un marché mondial et que c'est l'offre et la demande qui doivent établir la survie ou la disparition des entreprises. Donc on ne peut pas dire qu'il défend le Made in France. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait jamais dit d'ailleurs au passage. Madame Le Pen, Bruno Le Maire et d'autres invités ce soir défendent la politique du gouvernement que vous êtes en train de critiquer. Est-ce que vous avez une question particulière à lui poser? Ben voilà, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que, par exemple, l'armée, mais également l'ensemble des collectivités territoriales et de l'État, accepte de se soumettre à une directive européenne qui interdit, avec l'argent des Français, hein, je parle bien de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques, avec l'argent des Français, de donner une priorité aux entreprises françaises? Une question très simple. Thank you.